Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous enseigner les rudiments de base de la photographie animalière en kayak. Pourquoi la photographie en kayak? Ça peut paraître risqué à prime abord, mais quand on connaît bien les outils, l'équipement à avoir, aussi les méthodes, ça devient super sécuritaire et ça nous permet de faire justement des rencontres inoubliables, des rencontres qui, si on était à pied ou du rivage, ne seraient pas possibles. Le kayak, c'est la façon en fait, de devenir complètement invisible dans son environnement. Ça nous permet justement d'être en immersion totale dans la nature sans déranger la faune. Donc, pour commencer, on va regarder ensemble l'équipement qu'il faut avoir, l'équipement de base. Donc, qu'est-ce qu'on a? Premièrement, on est en kayak. Toujours penser sécurité. Je sais que parfois, ça peut être tentant. Les vestes de flottaison, des fois, sont peu confortables. Ici, j'ai un modèle que j'ai vraiment adopté dès la première fois. Il n'y a rien dans le dos. Et quand on est en kayak, on est à côté sur un siège, ce qui nous permet justement d'être confortable. Donc, le VFI, assez simple à... Du moins, ce modèle, assez simple à ajuster. On le met comme ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un modèle qui, justement, au contact de l'eau, va gonfler. Ensuite de ça, on est dans une embarcation. Inévitablement, avant de parler de l'équipement photographique, faut comprendre qu'il va avoir des gouttelettes d'eau. On va pagayer, puis en pagayant, justement, le mouvement peut projeter quelques petites gouttes d'eau dans l'embarcation. Et il peut arriver quoi que ce soit, il peut avoir des averses. Primordial à avoir des petites lingettes, n'importe quoi. Moi, j'ai une petite serviette qui est très, très compacte, qui absorbe vraiment très bien. Donc ça, on va en mettre une sur notre caméra, on va en mettre plusieurs dans le fond de l'embarcation. C'est vraiment des mesures de précaution. Ensuite de ça, si on continue, on a les jumelles. Ça, c'est probablement la chose que j'utilise le plus en photographie animalière. J'ai plus souvent l'œil dans ça que dans mon capteur de caméra. Les jumelles, à partir d'une certaine gamme de qualité, nous permettent d'avoir une luminosité assez élevée, en fait meilleure que notre œil. Donc, quand j'arrive sur le lac et qu'il fait assez sombre, je vais utiliser les jumelles parce qu'ils me permettent justement d'aller voir sur les rivages qu'est-ce qui bouge, les animaux qui seraient présents, ce que mes yeux ne peuvent pas me permettre à la base. Donc, ensuite de ça, côté sécurité, encore une fois, un petit sifflet, ça coûte 5 $. Le mien a une petite boussole dessus, mais le plus important, c'est que c'est un sifflet. En cas d'urgence, en cas de problème, on est en train de se noyer ou quoi que ce soit, ce son-là, il clash dans la nature. C'est un son qu'on n'est pas habitué d'entendre et c'est vraiment la différence entre être perdu seul et avoir des secours à proximité. Surtout dans des zones où on n'a pas de réseau, qu'on sait qu'on est seul. Le petit sifflet est important. Je suggère aussi d'avoir des mousquetons, des petits, des gros. Ce qui est intéressant avec les mousquetons, ça va avec cet outil-là, une corde. Une corde, pourquoi une corde? Ça peut être pratique à plein d'égards. On est pris dans le courant, on a besoin de s'accrocher pour justement se retenir. Les mousquetons servent justement à attacher la corde au kayak ou bien juste si on veut débarquer notre kayak à un endroit puis on sait qu'on va laisser le kayak là un bon moment. Eh bien, on peut justement attacher notre kayak à un arbre et avoir l'esprit tranquille que notre kayak s'en va pas tout seul avec quoi que ce soit qui peut arriver. On a aussi une gourde d'eau, très simple. Ça, c'est selon vos besoins. En kayak, il faut comprendre une chose,
On n'a pas la capacité de sortir pour aller faire ses besoins aussi fréquemment qu'on le voudrait. Donc, petit conseil, buvez pas trop d'eau, buvez-en juste assez. Aussi, apportez-vous des petites collations, des barres tendres, vraiment plein de choses qui peuvent être utiles, des noix, des choses secs, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si vous faites une longue randonnée en kayak, vous avez besoin de ces petites choses-là. Et c'est toujours, moi je pense toujours, toujours à l'aspect, s'il arrive un pépin, si vraiment on est dans le trouble, ça prend des choses pour survivre avant, jusqu'à temps que les secours arrivent. Si on continue dans l'aspect photographie, la question que j'ai souvent dans mes cours, c'est quoi la lentille de base, le minimum en fait de millimètres qu'on aurait besoin? Il faut comprendre que la photographie à une maillard nécessite inévitablement une certaine proximité. Donc, on va aller chercher cette proximité-là avec des téléobjectifs. Ce que je suggère, vraiment le minimum, ça serait un 200 mm. Il y a des très bonnes lentilles, très abordables, 200 mm, qui vont vous permettre de faire des super belles photos, par exemple, de huards. Les orignaux, c'est un bel exemple. Les orignaux, c'est une bête qui est immense. Donc, d'avoir un trop gros zoom, d'avoir un trop gros téléobjectif, ça peut vite devenir encombrant. Ça va en faire en sorte que vous allez avoir tellement de proximité qu'il va falloir que vous reculiez. Parce que parfois, les animaux sont tellement curieux qu'ils vont s'approcher de vous. Parfois, justement, la grosseur de l'animal vs votre proximité va faire en sorte que ça vous prend ce jeu-là. Moi, j'utilise une 100-400 parce que je trouve que c'est la lentille parfaite, la lentille idéale pour sa polyvalence. Donc, à 100, je suis capable de reculer. À 400, j'ai une bonne proximité. Par contre, j'aime beaucoup les basses lumières, donc les brumes. Ce qui peut être intéressant, c'est d'aller chercher des plus gros téléobjectifs avec des ouvertures focales de 2.8, par exemple. On va être capable d'aller chercher justement la lumière au moment où elle est vraiment, vraiment rare. Pensez ergonomie. Pensez que vous allez être plusieurs heures avec ça dans les mains, en main libre. Il n'est pas question d'avoir de trépied en kayak, ça ne fonctionne pas. Donc, pensez à ça. Est-ce que vous êtes capable de soutenir votre téléobjectif? Est-ce que vous êtes à l'aise avec votre objectif? C'est vraiment ça qui va déterminer votre choix d'objectif puis qu'est-ce que vous allez emporter en embarcation. Pour ce qui est de ce qui accompagne le boîtier, la lentille, je vous conseille d'apporter des batteries de rechange. On parle de 2-3 batteries. Moi, j'aime mieux être sécuritaire, j'aime mieux savoir que justement, j'en ai plus que pas assez. Donc, des batteries, des cartes mémoire, parce que vous ne savez jamais sur quoi vous allez tomber. Mais c'est arrivé dans le passé d'avoir des ambiances justement sur ce lac-là derrière ici, avec des brumes tellement intenses, une rencontre avec un orignal tellement exceptionnel que les cartes mémoire se remplissent comme ça. Et surtout en mode rafale, on ne s'en rend pas compte, ça va vite, ça va vite. Puis la dernière chose que vous voulez qui arrive, c'est justement de cliquer et d'avoir la petite notification « cartes mémoire pleine ». Donc, petit conseil, des batteries, des cartes mémoire et l'appareil, c'est tout ce que j'apporte. Pas de gros sac, rien. Parce que comme je disais tantôt, on est dans un habitat restreint, on veut que ça soit ergonomique puis que ça soit simple. Pensez simple quand vous êtes en kayak, mais efficace. Pour accompagner tout ça, sur moi, comme vous avez pu voir, en ce moment, je porte des Weathers, qui sont en fait des longues bottes. Ils ne sont pas de couleur camouflable. Normalement, je vais vraiment toujours conseiller les gens de porter des vêtements terre, des vêtements camouflage, juste des couleurs neutres aussi comme ça. Des couleurs qui rappellent justement la nature puis qui ne sont pas des contrastes agressants ou violents pour la nature. Dans le contexte du kayak, ce qui est intéressant, c'est que tout mon bas de corps est caché. Par-dessus ça c'est parce que j'utilise une technique d'être à genoux dans mon kayak pour faire de la photographie que je vais vous expliquer un peu plus tard. Je vais utiliser des genouillères. Donc ça, j'ai pris ça dans une quincaillerie, très abordable. Mais ça va vous sauver justement des douleurs aux genoux atroces si vous photographiez à genoux. Deuxième chose, si vous êtes assis, des fois c'est intéressant d'aller se mettre un coussin derrière le dos. Donc ça peut être un item que vous apportez, un petit coussin. Parce que même si les kayaks sont confortables, même si c'est des kayaks de haut de gamme, après plusieurs heures, si vous n'êtes pas habitué, vous allez avoir des courbatures, vous allez être inconfortable. Donc des petits coussins et en plus, le petit coussin peut être absorbant. Donc, des gants. Là, vous regardez aussi, je suis quand même je suis habillé assez en long, assez chaudement. Des gants, je vais même mettre mon capuchon, tout ça. Il y a deux raisons à ça. Ces matins-ci, de ce temps-ci de l'année, il fait frais, mais il y a énormément de moustiques, énormément de mouches. Et on veut diminuer notre odeur quand on s'approche des animaux. On ne veut pas trahir notre présence avec justement une odeur trop forte. Donc, je vais vraiment privilégier des vêtements longs. Quand le soleil se lève, de toute façon, à mon avis, la lumière devient inintéressante. Donc, tout le matin, c'est souvent frais
Et on va utiliser justement les vêtements longs. Ça aussi, les gants, ce qui est intéressant, c'est que ça va absorber l'eau que la pagaie va faire tomber. Donc, quand vous allez photographier, votre gant là, qui est mouillé, il n'y a pas de problème. Vous prenez votre main sec, puis vous photographiez. Les sacs au sec, primordial. Moi, je mets tout là-dedans. Je mets ma caméra, tout ce qui est électronique là-dedans. Puis, c'est vraiment une sécurité. C'est sûr que quand je suis dans mon kayak, il n'y a presque plus rien dans mon sac au sec parce que je veux que ça soit à proximité. On va passer maintenant aux embarcations. Donc, les embarcations, c'est probablement le plus gros investissement que vous allez faire pour pratiquer la photographie en nature dans les lacs. Il y a quelques règles à respecter, selon moi, qui vont favoriser vos rencontres. C'est pas nécessaire, c'est pas essentiel, mais c'est des choses que j'ai pu remarquer au fil des années, qui ont amélioré mon expérience à moi. Donc, premièrement, quel kayak vous allez choisir? Il y a plusieurs types de kayaks. Il y a des kayaks de rivière, des kayaks de mer, des kayaks de pêche. Il y en a plein d'autres. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir un kayak qui est le plus stable possible et qui a des couleurs qui se marient le plus avec ce qu'on va voir autour de nous. Donc, qu'est-ce qu'on voit autour de nous? C'est des teintes de vert, des teintes de terre. Il faut penser aussi au printemps, à l'automne. Donc, qu'est-ce qui est le plus neutre? C'est des teintes vraiment qui vont être dans les terres. Aussi, le plus important là-dedans, c'est pas tellement la couleur que la luminosité de ça. Quand on parle de luminosité, là, c'est que les kayaks avec les coques blanches, c'est super lumineux et ça, c'est super agressant pour peu importe l'espèce. Même les orignaux, les cervidés qui n'ont pas nécessairement de problème avec les couleurs, c'est pas des choses qui vont les agresser, cette luminosité-là va faire qu'ils vont un peu regarder tout ça, ils vont se demander qu'est-ce qui se passe, ça va les déranger d'une certaine façon. C'est pas dit qu'ils vont pas s'habituer à ça, mais c'est un dérangement de plus. Et qu'est-ce qu'on veut en photographie en kayak? C'est d'être complètement invisible, parce que justement, on fait pas de son. Fait que si on peut visuellement aussi mettre les chances de notre côté, c'est tant mieux. Donc, les kayaks avec des coques qui sont blanches, des kayaks qui sont avec des couleurs fluo, on parle des gros, c'est très populaire, c'est super beau, les coques jaune fluo, rouge fluo, bleu fluo, tout ça, ça serait à éviter pour qu'est-ce qu'on fait là. On a deux beaux exemples ici de kayaks, deux gammes de prix. Lui était super abordable, je pense que je l'ai payé autour de 500$ en rabais, bien sûr. Lui, on parle du haut de gamme, on parle probablement du meilleur kayak pour l'activité qu'on va faire là. Pourquoi je suggère des kayaks de pêche qui sont fermés? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, les kayaks de pêche ouverts, c'est des kayaks qui sont extrêmement lourds. Vous allez avoir de la difficulté à faire vos portages avec ça, juste de votre véhicule à la mise à l'eau, ça peut être très complexe. En revanche, c'est les plus stables. Cependant, si vous avez une averse de pluie soudaine, ça peut poser problème parce que si vous n'avez pas des sacs au sec, tout ça, votre embarcation va se remplir d'eau. Deuxième chose, on veut limiter notre présence visuelle, comme je vous disais tout à l'heure, et on va empêcher justement de voir nos mouvements avec ça. On va être capable de se cacher à l'intérieur et on va juste avoir le haut de notre corps qui est visible. Un autre point qui est intéressant avec un kayak fermé, c'est qu'on va, je vais vous expliquer tantôt la méthode, mais on va se coucher pour aller prendre une prise de vue au relot. On va se coucher sur le devant du kayak. Et ça, c'est pas possible avec des kayaks qui sont ouverts. Donc, pensez stabilité. Pensez justement à la couleur. Pensez à ce que le kayak soit fermé. Et aussi, si vous prévoyez faire des longues randonnées ou être en autosuffisance plus d'une journée, pensez au compartiment. Compartiment, c'est très important. Les simples cordes comme ça, c'est intéressant, sauf qu'encore une fois, s'il pleut, si vous êtes mal pris, il vente, etc., vous ne voulez pas perdre de matériel et c'est quand même assez risqué. Même si c'est bien fait, ça peut, si vous chavirez, etc. Dans celui-ci, ce que j'aime bien, puis lui aussi, ça fait le travail, on a des compartiments qui sont complètement étanches. Et on a une bonne place de rangement. Là-dedans, je peux mettre une tente, je peux mettre énormément d'accessoires. Donc ça dépend de l'aventure que vous allez choisir de faire. Les pagaies. Ici, j'ai une pagaie, j'en ai une autre ici. Elle est vraiment pas lourde. C'est intéressant ça, sauf que il m'est arrivé d'en casser deux cette année. Parce que j'étais dans des situations où je devais l'utiliser un peu comme d'un bout de bois là, pour me déprendre. Donc, cette année, je me suis acheté une plus solide. Elle est en aluminium, elle est recouverte d'un polymère et elle est vraiment, vraiment rigide, ce qui me permet justement de faire un peu tout ce que je veux avec elle, de me déprendre, parce que souvent, on va être dans des zones d'eau qui a peu d'eau et ça arrive souvent d'être pris en kayak. La couleur des pagaies est aussi importante que le kayak. Il m'est arrivé de rencontrer des gens en lac qui avaient tout le kit camo, on les voyait pas du tout. Puis quand ils levaient la pagaie comme ça,
on voyait une grosse zone lumineuse, comme un flash de photo quasiment. Fait qu'il faut imaginer qu'un animal qui est tout tranquille dans son matin voit ça, il va définitivement être interpellé et peut-être dérangé par ça. Pensez toujours de vous fondre, de disparaître dans la nature, parce que ce qu'on veut avant tout, c'est d'être en immersion, d'être en communion dans cet environnement-là, puis devenir complètement invisible. Avec les années, j'ai découvert quelque chose d'assez intéressant. Quand je suis en position à genoux et que je suis couché sur le devant de mon bateau, ça devient impossible de travailler avec cette pagaie-là. C'est pourquoi j'ai utilisé une vieille pagaie. Ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être un couvercle, à peu près tout ce que vous pouvez faire à la maison, pour justement me déplacer quand je ne peux pas utiliser une pagaie si longue que ça. Je vais vous démontrer comment ça fonctionne plus tard sur le lac. Nous sommes rendus à la mise à l'eau, l'étape cruciale, l'étape qui fait peur à tout le monde. Et je vais vous montrer que c'est vraiment plus simple qu'on le pense. Il faut juste le faire avec attention, il faut être très concentré et ça prend de la pratique aussi. On ne se cachera pas que je vous conseille avant d'embarquer avec votre appareil photo dans le kayak, de l'avoir essayé plusieurs fois avant sans appareil photo. Le secret pour se sécuriser durant votre embarquement dans votre kayak, ça va être d'emblée de le rentrer un petit peu dans l'eau comme ça, mais d'avoir une bonne partie qui est encore sur la terre. Ensuite de ça, vous allez mettre tout votre équipement avant d'entrer. Donc moi ici, je vais commencer par mon sac au sec. Je vais le mettre au fond complètement. On a beaucoup de place dans l'avant du kayak, donc utilisez-le. C'est vraiment facile d'aller chercher avec ses pieds ou ses mains. Ensuite de ça, on va aller prendre la corde. Je vais la mettre ici. Toujours pratique de l'avoir à proximité, parce que ça, c'est un outil d'urgence. S'il arrive justement avec du courant, tout ça, vous voulez l'utiliser rapidement, c'est là. Ensuite de ça, je vais mettre mes genouillères. On va aller mettre les jumelles. Moi, je les mets à proximité, toujours ici, entre mes jambes. C'est quelque chose que vous allez utiliser souvent, donc mettez-les dans un endroit qui est facile d'accès. Vos tissus. Donc là, j'ai ma petite serviette. Je vais aller mettre ça dans le fond, carrément comme ça. Je vais l'étaler un peu plus. Et c'est sur ça que je vais aller déposer mon appareil photo. Je vais le déposer comme ça, doucement. Donc là, je sais qu'il ne va pas trop bouger. Là, justement, la serviette, plus vous en avez, plus vous avez de linge, plus votre appareil photo va être entouré. Ça va le sécuriser. Une fois que tout mon équipement est à l'intérieur de l'embarcation, je vais mettre mes gants. Je vais utiliser ma pagaie pour la stabiliser ici. Et c'est à ce moment-ci, alors que mon kayak est encore justement sur la terre ferme, que je vais embarquer dedans. Ça va comme suit. Et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de glisser et faire un va-et-vient pour rentrer dans l'eau doucement. Vous voyez comme ça? Utilisez toujours votre pagaie dans vos mains, parce que si vous perdez l'équilibre, c'est ça qui va vous permettre de justement regagner votre position. Donc doucement comme ça, on avance. Et on a une mise à l'eau sécuritaire de réussie, d'accomplie. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Et je vais aller vous montrer quelques notions photographiques à appliquer quand vous serez sur un lac.
il y a une question qui va vous venir à l'esprit assez rapidement. C'est quoi les meilleurs moments pour être sur un lac? Personnellement, moi, ce que je préfère, c'est le matin très tôt. Pourquoi le matin? C'est parce qu'on a des brumes vraiment plus intenses. On a un contraste aussi avec la nuit qui vient jouer dans l'ambiance générale. Un autre aspect intéressant, c'est que les animaux, le matin, ils sont encore dans leur routine de nuit. Donc, il y a une grande chance pour vous d'aller capter un comportement que vous n'avez jamais vu à cause de ça, justement, à cause que vous avez été présent dans cette matinée qui est la continuité de son activité nocturne. Par la suite, peut être intéressant, justement, c'est d'être bien préparé la veille. Parce qu'il faut comprendre que l'été, ici au Québec, le soleil se lève très, très tôt. Par exemple, ces temps-ci, il se lève environ à 4 heures du matin, même plus tôt que ça, il y a quelques semaines. Et il faut être extrêmement bien préparé la veille. Et je vous conseille d'expérience, parce que j'ai fait ça depuis longtemps, de vous coucher très tôt. D'avoir une bonne nuit de sommeil quand vous allez vous réveiller à 2 heures du matin, même parfois je me réveille à 1h30 parce que le lieu de destination est loin, ça va vous permettre justement d'être concentré, de ne pas faire d'erreurs. Et la dernière chose que vous voulez, c'est justement être fatigué puis faire des erreurs un matin à kayak. C'est la différence entre chavirer puis avoir une expérience exceptionnelle. Aussi, il y a plusieurs moments dans une matinée qui sont intéressants pour nous. Avant de vous parler justement des techniques de photographie et des angles de vue que moi je préfère et j'explore beaucoup, je vais vous montrer une méthode de photographie qui va vous permettre justement d'aller chercher les longs reflets que vous pouvez voir dans certaines de mes images. Parce qu'à prime abord, il y a des gens qui vont ne pas comprendre, vont penser que c'est photoshopé, mais pas du tout. Il s'agit d'être au plus au ras possible de l'eau que vous pouvez. Et en kayak, ça pose problème parce que là, on a une embarcation qui bouge et qui est instable. Quand on est sur un rivage, c'est très facile. On se met quelque chose pour protéger le sol et on se couche vraiment au relou. On est capable d'avoir ces reflets-là. En kayak, la méthode que j'ai trouvée, je vais vous la démontrer en ce moment, elle est un peu risquée, mais si on la pratique avant d'avoir son appareil, si on a un kayak qui est assez stable, celui-là, il est beaucoup plus chavirant que l'autre modèle que je vous ai montré tantôt. Mais je suis rendu à une étape que je suis quand même habile à le faire, donc je vous conseille de faire ça avec des kayaks très sécuritaires avant. Premièrement, pour ma technique, vous allez avoir à déposer votre pagaie ici. Une des choses importantes avec la pagaie qu'il faut faire attention, et je vous parle d'expérience, c'est qu'il faut toujours être concentré sur son mouvement de pagaie pour ne pas faire des coups comme ça. Ça peut vous trahir puis gâcher justement une rencontre avec un orignal, par exemple, parce que c'est un bruit sourd, c'est un bruit qui va déranger la faune. Donc, portez une attention particulière quand vous pagayez. Un des trucs que j'ai trouvé aussi, c'est de mettre mes mains à la hauteur justement du kayak et des bordures. Donc, ça me permet de jamais le cogner. Toujours garder votre centre de gravité le plus bas possible. Dans ce cas-ci, avec cette embarcation-là, le plus efficace que j'ai trouvé, c'est de me pousser le plus possible sur mon dos pour aller libérer mes jambes et de la sorte être capable de les replier et de les mettre sur mon siège. Donc, toujours prendre ses mains, toujours utiliser le plus d'appui qu'on peut. Et rendu à cette étape-là, c'est l'étape la plus risquée. Si vous êtes stable à cette étape-là, vous n'allez pas avoir de problème pour la suite. Mais déjà, à la base, là, c'est un exercice de stabilité. On le fait aussi rapidement possible aussi. Donc, pour la suite, je descends mes genoux, deux genoux. Vous voyez que ma pagaie n'a pas fait de son, n'a pas bougé. Ça, c'est très important. Je vais me positionner comme ça une fois que je vais avoir localisé un animal. C'est vraiment pas une position qui est confortable à long terme pour justement pagayer ou se rendre à un endroit. C'est pourquoi les protège-genoux entrent en jeu. Quand vous allez rester comme ça, un long moment, vous allez voir la circulation sanguine peut devenir assez restreinte dans le bas des jambes. Donc, vous voulez justement être à l'aise de vos genoux. Vous voulez être capable de vous dégourdir, bouger un peu. Ça, c'est les méthodes justement quand vous allez être dans cette position-là longtemps. Ensuite de ça, moi, ce que j'aime bien, quand je vous parlais tantôt de la petite pagaie, c'est à cette étape-là qu'elle devient intéressante. Donc, la pagaie que je n'utilise pas, je vais la mettre ici, la sécuriser, et je vais utiliser la petite pagaie. Pourquoi la petite pagaie, justement, c'est parce que quand on se penche par l'avant du kayak, on va avoir tendance à dériver, justement, un peu comme une feuille sec là, sur un lac au printemps. Là. On va vraiment là, changer de bord facilement. Cette pagaie-là va vous permettre, justement, avec peu d'effort, d'aller vous replacer, comme ça. Moi, je la garde toujours ici, sur mon côté. Je vais vous montrer ce bord-là. Comme ça ici. Facile d'accès. Rendu à cette position-là, je vais aller chercher mon appareil photo. Et c'est là que je vais aller être capable d'aller me coucher tranquillement sur la proue du kayak. Comme ça. Donc, déjà ici, j'ai une prise de vue stable qui me permet justement d'avoir
beaucoup plus de proximité avec l'eau que si j'étais assis. Si vous voulez augmenter le niveau de risque et aller de plus en plus proche de l'eau, vous pouvez justement étendre vos pieds comme ceci. En faisant ça, vous allez justement augmenter votre stabilité. Vous allez pouvoir vous appuyer sur vos pieds. Ensuite de ça, il suffit d'aller plonger le coude dans l'eau. Dans ces positions-là, il faut y aller très doucement. Comme vous voyez, un faible vent est en train de me faire dériver. Il faut y aller très doucement. Il faut justement penser à sa stabilité avant tout. Et ça va vous permettre d'avoir des reflets exceptionnels. Je vais vous expliquer un peu ce qui est intéressant en kayak de réaliser. Vu qu'on est sur une surface qui est de l'eau, on a la chance d'avoir des reflets. On a la chance d'avoir justement une luminosité dans les éclaboussures. Par exemple, en ce moment, le soleil est super haut. Ce que j'aime faire à ce temps-ci de la journée, puisque le soleil, je vais vous en parler après, est rendu trop haut, c'est que je peux faire des contre-jours hyper riches en brûlant mes noirs excessivement. Je vais baisser mon ISO aussi, je vais diminuer le plus possible mon apport en lumière pour que justement tout devienne noir et qu'on ne voit simplement les silhouettes, les éclaboussures. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant justement quand vous êtes rendu avancé dans votre journée. Si on parle de plus tôt dans la journée, moi, ce que j'adore faire, c'est avoir un sujet, par exemple, le huard, et me positionner complètement à contre-jour avec le huard et le placer un petit peu de biais du reflet, du plein reflet du soleil. Parce que si vous le placez dans le plein reflet du soleil, ça va devenir très brûlé, vous allez perdre tous les détails. L'idée d'un contre-jour réussi, c'est qu'on a les teintes chaudes, qu'on a la silhouette de l'oiseau, et ça, c'est permis justement avec un contre-jour presque parfait, mais un petit peu de biais, parce qu'on ne veut pas la pleine lumière du soleil. Ensuite de ça, il y a un autre type de contre-jour que j'aime beaucoup faire, et je l'appelle le demi-contre-jour, parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez justement le soleil qui se lève à votre gauche, et que vous, vous êtes le huard, par exemple, je vais me placer à 45 degrés. Donc là, si je voudrais être en contre-jour, je serais à votre droite complètement et on aurait le soleil. Mais je me positionne à cet endroit-là parce que ça me permet justement de travailler avec les chauds et les froids. L'ombre étant les couleurs très froides et le chaud étant la zone exposée par le lever de soleil. Le lever de soleil, quand dans ses premières minutes, va être hyper chaud et les brumes, souvent en arrière ou à l'extrémité droite, vont devenir très froides. Et d'avoir ce contre-jour-là, à 45 degrés, ce qui est intéressant, c'est d'aller capter le regard. Maintenant, la partie excitante, quand on arrive sur un lac et qu'on fait une observation. Donc là, je suis assez loin, j'ai regardé avec mes jumelles, il y a un orignal. Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, j'ai pas le choix de vous parler d'éthique. On fonce pas sur les animaux, c'est une question de patience et de lenteur, la photographie, surtout en kayak. À partir du moment qu'ils nous voient, ils vont avoir deux façons de réagir. Soit ils vont être apeurés, ils vont partir. Ou soit ils vont juste être curieux, ils vont nous observer. Et à ce moment-là, le conseil que je peux vous donner, c'est de moins bouger possible. Pas de son, pas de bruit, rien. Vous patientez. Vous le laissez vous scruter. Vous le laissez vous analyser, puis vous le laissez comprendre que vous n'êtes pas une menace. Le plus important, c'est vraiment de devenir partie intégrante du paysage, devenir un animal. Et c'est pour ça, d'ailleurs, parenthèse, que c'est intéressant d'avoir une prise de vue au rouleau, d'avoir une prise de vue, par exemple, pour les orignaux, ce qui est intéressant, c'est d'être un peu plus haut. C'est que c'est toujours intéressant d'aller capter leur regard pour donner le sentiment qu'on est un orignal ou qu'on est un huard et qu'on est dans cet environnement-là. Donc, pour en revenir à l'approche, ce qu'il faut prendre en considération quand on est en photographie, c'est la profondeur de champ. C'est ce qui va donner justement l'impact à votre sujet. Par exemple, si vous avez un orignal qui est en bord de lac, là, c'est difficile justement d'aller chercher une profondeur de champ parce que le fond est trop proche du sujet et là, vous n'allez justement pas avoir d'impact. Ce qui peut vous permettre, par exemple, d'en créer, c'est justement, au lieu d'aller directement vers lui, aller à sa droite, allez, éloignez-vous de lui, montrez-lui que lui, en fait, n'est pas votre centre d'intérêt principal, que vous avez une occupation, que vous faites autre chose. Ça va vous permettre de gagner sa confiance. Donc, pour cette approche-là, ce que je suggère, pour aller chercher une profondeur de champ qui est inexistante, c'est justement d'aller par le rivage, on va aller chercher le côté où il est, on va s'approcher doucement du côté de la végétation. Et c'est ce qui va nous permettre justement d'aller créer cette profondeur de champ qui se situe derrière lui au loin. Ensuite de ça, c'est bien beau l'approche. On va être capable d'aller de plus en plus proche, mais il faut respecter, il faut donner de l'espace aux orignaux. Laissez-les s'approcher. C'est possible que l'orignal s'approche de vous. Ça, c'est possible. Il y a des orignaux qui sont approchés à quelques mètres de moi qui me regardaient et qui ont continué à manger.
Donc ça, c'est une bonne indication que j'ai gagné leur confiance. La matinée de photographie est terminée. Le soleil est bien haut. Et je reviens super heureux de tout ce que j'ai vu. D'ailleurs, c'est ça qui est super important de retenir. Quand vous allez en photographie, faites-vous pas d'attente. Allez passer un beau moment en nature. Appréciez tout ce que vous allez voir, les plantes, l'odeur, tout ça. Parce qu'au final, c'est ça l'essentiel de l'expérience. Il n'y a pas plus que ça. Et si vous avez des images en plus, ben c'est tant mieux. S'ils sont bonnes, encore mieux. Et n'oubliez pas, ben quand on va en nature, on visite la maison des animaux sauvages, on visite leur demeure. Donc, c'est important de ne pas laisser de traces, pas de déchets, quoi que ce soit. Pas de déranger le moins possible leur environnement. C'est comme ça que, justement, vous allez développer un sentiment d'appartenance puis vous allez développer aussi une relation avec votre environnement. Donc sur ce, je vous souhaite bonne chance dans vos observations, puis à la prochaine.